Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare, donc pour notre toute première série, le saviez-vous. Donc c'est une nouvelle série qu'on a lancée avec Joyce. Donc il va vous expliquer en quoi elle consiste, et après on commencera par un tout premier saviez-vous. Salut à tous les abonnés, c'est AESPROD. Alors je vais vous expliquer en quoi consiste la série Le Saviez-Vous. Ça consiste à vous expliquer un Le Saviez-Vous, débattre dessus, commenter, exprimer notre ressenti sur ce saviez-vous. Après, on va vous demander en commentaire ce que vous en pensez, et vous allez aimer pour... Si vous aimez la série, on va continuer. Chaque jour ou chaque semaine, on va en sortir. Donc, on va commencer. Voilà, donc si vous aimez le saviez-vous, hein, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à nous dire si vous aimez, bien sûr. Si vous n'aimez pas aussi, c'est vraiment un plus pour nous. Voilà, donc on va commencer par le tout premier saviez-vous. Donc saviez-vous que 80% des accidents graves sont causés par des hommes? Donc, qu'est-ce que t'en penses, Joyce? Alors je suis entièrement d'accord, mais cependant faut pas oublier que les femmes font aussi partie des accidents. Après c'est pas les hommes ou femmes, c'est plus les causes comme l'alcool, la drogue ou la vitesse. Ouais, les trois plus grosses conséquences, je pense que ça va être celle-là, et puis la fatigue aussi qui va rejoindre un peu ces trois-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelles seraient les conséquences pour les accidents causés par des hommes au volant? Donc dites-nous dans les commentaires. Donc le deuxième saviez-vous, c'est saviez-vous que vous avez 80% de chance, pardon, de rencontrer la personne avec qui vous allez vous marier à vos 16 ans? Pour moi, j'y crois pas. Ouais, c'est extrêmement excessif, surtout qu'à 16 ans, on n'est pas encore mature. Du coup, pour moi, on n'a pas les chances, les capacités nécessaires de rencontrer la personne avec qui on va se marier. Je pense qu'à 16 ans, on devrait plutôt se concentrer sur nos études que sur les meufs. Voilà. Donc après, on continue avec un troisième saviez-vous. Donc saviez-vous qu'en moyenne, une femme perd 2 à 4 heures de sommeil chaque nuit en raison de trop penser? Ah, à force de penser au ménage, à la lessive et tout. Donc ouais, excusez-nous, on a eu un petit imprévu. Donc oui, à force de penser au ménage, au travail et tout. Ouais. Moi, non, je suis entièrement d'accord. Vous pensez trop, les femmes. Pensez moins, soyez plus posés, vous verrez. La vie est cool. Donc on continue encore sur, savez-vous qu'on estime que 2% de la population a les yeux verts? Bah moi j'en sais rien, j'ai les yeux bleus clairs. Bah ouais, c'est vrai que c'est extrêmement rare les yeux clairs, c'est extrêmement beau aussi, ça fait ressortir les yeux de la personne. Ouais, j'ai toujours pas croisé avec des gens avec des yeux verts, mais bon. Dites-nous dans les commentaires si vous en avez croisé, vous. Donc le prochain, il va sûrement plaire à Joyce. Savez-vous que le mot swag a été créé dans les années 60 par un groupe d'homosexuels et qui signifie secretly we're gay? Donc je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Ça veut dire quoi? Secrètement nous sommes gays. Voilà. Donc swaggy boy, swag. Donc, je pense que Joyce est gay. Gardez ça pour vous les gars. Ouais, nous, bah peut-être, hein, moi je sais pas. Bah c'est bizarre. Tous ceux qui disent swag maintenant, vous savez ce qui vous attend. Abstenez-vous. Un autre saviez-vous? Savez-vous que le manque de sommeil et la faim sont les deux principales raisons pour être en colère? Je suis entièrement d'accord. Surtout le sommeil pour moi, parce qu'on peut avoir faim et être un peu énervé, mais garder pour soi. Mais quand on a sommeil, c'est toutes les émotions qui ressortent d'un coup et on est de plus en plus en colère. C'est exact. Regardez en cours, vous avez faim, vous ne mangez pas le matin, vous n'avez pas dormi la nuit. Vous êtes en cours en plus, en cours d'histoire géo, c'est... Mettez-vous bien dans le bain là les gars. Cours d'histoire géo ou français, le prof qui raconte sa vie, vous avez même pas mangé, vous avez envie de dormir, vous êtes vraiment énervé. Ouais. Et je pense qu'on va finir sur ces deux derniers, saviez-vous, pardon. Donc saviez-vous que un New-Yorkais sur 21 est millionnaire? Ça fait quand même beaucoup, hein, sachant qu'à New York, il y a plus de... quelques millions de personnes. 1 sur 21, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être millionnaire. Donc bravo à eux. Voilà.
Et le dernier, savez-vous que notre esprit devient facilement accro aux choses que soulageant notre douleur et nous aidant à gérer nos stress. Qui soulage notre douleur et nous aide à gérer notre stress, ouais. Ouais, ça c'est totalement vrai. Par contre, je suis pas très fort en psychologie, voilà. Donc on finit sur ce, saviez-vous, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. You're ready.